je vais faire un roleplay sur le prix du danger. Alors en gros, c'est une chasse à l'homme filmée. Et c'est une chasse à l'homme filmée. Un homme, un candidat, doit pendant, je crois que c'est une journée ou alors c'est peut-être 2 jours, je sais plus. Je sais plus exactement la durée, mais il doit, il gagne en restant vivant parce qu'il est pourchassé par 5 tueurs. Qui ont le droit de tuer, enfin de tirer, quels que soient les moyens, ils peuvent le tuer. Ils ont juste pas le droit de lui tirer dessus dans des lieux, enfin quand il y a du monde autour de lui. Il faut qu'il soit toujours seul. Voilà. Ce film vraiment, il m'a vraiment. Enfin, j'avais vu le film français, non, en américain. Après, j'avais vu le film en français. Et après, j'avais lu le livre de Stephen King. Mais du coup, j'aimerais bien lire la nouvelle de Robert Sheckley. Parce que c'est vraiment ça, le truc. Et je la trouve vraiment, parce que en fait, plus ça se rapproche, plus c'est vraiment... je dis pas que ça arrivera, mais je pense que... C'est juste que nous, on a le CSA, mais je pense que dans d'autres pays, ça pourrait très bien arriver, sous couvert de divertissement. Enfin, voilà. Donc, du coup, moi, je vais faire ce... Je me rappelle dans le film, le truc, c'était... Il y avait l'animateur T, c'était Michel Piccoli. Et niveau cynisme, niveau putasserie, il était vraiment bon. Il était vraiment ignoble. Et genre, enfin, aussi, un candidat... Voilà, il a envie de... Enfin, bref. C'est bon, je vais commencer. Je suis désolée, c'était super long. Mais bon, maintenant ça va commencer. Je vais le faire en chuchotant plutôt. Donc là, je voulais parler de ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Il y a du bruit dehors, alors je sais pas, c'est peut-être pas les bonnes conditions pour faire la vidéo, mais j'avais envie de le faire maintenant. Donc c'est parti pour le prix du danger. Bonsoir, cher public. De gagner cette somme.
sais que ça va être historique. Et j'en suis fière. Je vais vous présenter tout de suite le candidat qui va être le premier à passer. Et j'espère qu'il passera vraiment. Le voilà. Applaudissez-le. Il s'appelle Paul. Alors Paul, déjà j'ai envie de vous dire, de vous demander pourquoi avoir accepté d'être dans cette émission, le prix du danger. Parce que il y a... Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, vous ne serez peut-être plus parmi nous ce soir. Et c'est sûr que vous avez besoin d'argent. Hein. Ça, c'est sûr que l'argent, on en a tous besoin, et certains plus que d'autres. D'accord, donc vous êtes vraiment dans une situation très compliquée. Et bien, si je... Vraiment, si grâce à cette émission... Voilà, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes financiers et familiaux. Eh bien, j'en serais vraiment ravie. Cela me ferait vraiment plaisir et je suis sûre que notre public vous le souhaite. Parce que vous allez être un héros pour eux. Ils vont vous suivre, ils vont craindre pour votre vie. Il y a peut-être quelques-uns qui ne vous aimeront pas, je ne sais pas, ça dépend, vous savez. Des fois, ça va, ça vient. Mais en tout cas, ils vont respecter votre courage. Je vous demande d'applaudir Paul pour son courage. Voilà. Est-ce que vous êtes venu avec quelqu'un? Votre femme? Oui, votre femme, je crois, elle n'est pas très contente que vous participiez à cette émission. Ouais, elle a peur. Mais je pense que quand elle recevra le chèque, elle sera ravie. C'est toujours comme ça. Enfin, en général. Alors, votre femme et votre fils aussi. Vous avez un petit garçon de 6 ans. Un futur candidat peut-être. Bon. Non, pour l'instant, c'est vous. Alors, Paul, je vous ai présenté au public et maintenant... Je sais que ça va pas trop vous plaire, mais vous avez des adversaires. Et je vais tout de suite m'adresser à eux. On va commencer par madame. Alors, j'ai envie de dire comme à Paul. Vous appelez comment? D'accord. Savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. D'accord, ouais, c'est une bonne raison. Donc la plupart c'est pour ça ou vous avez d'autres raisons. D'accord. Vous vengez. Ok, super. Enfin super. Moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. La morale on en a toute l'année. Moi je suis là pour écouter. Et être témoin, assister à ça. Pour moi, c'était un jeu. Un jeu dangereux, c'est sûr. Mais vous avez signé. Alors, aussi bien vous, Paul, que vous autres candidats, vous risquez aussi d'être tué par Paul. Paul a le droit de se défendre. Il n'est pas armé comme vous. Mais au cours de son périple, il aura sûrement de quoi se défendre. Et là, c'est un risque aussi pour vous. Alors pour ce risque que vous allez prendre, vous n'allez pas toucher comme Paul 1 million d'euros. Mais vous allez devoir quand même... Bah vous allez quand même pouvoir avoir une grande somme. 300 000 euros. Que vous allez devoir, bien sûr, vous partager en 4. Voilà.
excusez-moi, petite erreur. Non, non, vous allez pas vous partager la somme. Non, non, excusez-moi. Ah non, ça sera pour vous. Pour vous seul, ouais. Alors. Eh bien, maintenant, je pense qu'on a bien lancé le concept de l'émission. J'arrive pas à faire ma phrase, ça me saoule. Alors, c'est parce que je sais pas si je dois parler déjà du film ou du livre. En fait, c'est un film. En fait, à la base, c'est un livre aussi, mais moi, c'est par rapport au film français. Donc, le film, c'est Le Prix du Danger. Alors, le bébé qui pleure, ça me saoule. Commence.
Vous allez être saoulés.